bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour essayer de trouver comment faire pour gérer la grosse saloperie tous ensemble. J'espère que cette série vous plaît. Donc on a eu comme suggestion d'essayer de lui amener les zombies explosifs. Donc je vais essayer de les faire venir vers moi tout en esquivant ces bombes là, qui sont compliquées parce que visiblement il peut les envoyer un peu à travers tout ce qu'il veut. On va essayer d'en faire venir par là. Il s'énerve quand on s'approche un peu trop, hein. Zombie explosif là. Ouais, soit c'était pas assez proche, soit il en a rien à foutre. Putain! À nous, clairement, ça nous fait mal, hein. Venez par là. Alors, on va essayer de faire en sorte que ça s'approche de lui, par ici. Est-ce que ça va lui exploser à la tronche? Déjà, ils explosent pas. Donc on va essayer de les faire exploser comme ça. Non, ça lui fait rien. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Donc les burgers, on a essayé. À moins que je me suis foiré sur la recette qu'il veut. Et j'ai pas trop vu d'infos sur la recette qu'il veut. Ok, il a expédié la barre là. Prends la barre. Ah putain, il y en a partout quoi. En plus, il y a bien les ombres, bien flippantes et tout. Plus fun qu'horrifique, donc fun horrifique, oui, hein, je confirme. Le côté horrifique est discutable, je suis d'accord. Parce que bon, on peut discuter du fait que le truc est horrifique, mais en tout cas, il y a vraiment une vraie pression, hein, je peux pas dire le contraire. Hein. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y a deux salades, c'est parce qu'il faut mettre deux salades ? On va essayer de mettre deux salades. On va courir un peu le temps que machin il nous pète à la tronche là. On va aller chercher notre petite barre céréalière. J'adore comment il sort les trucs explosifs de dessous ses aisselles quoi. C'est quand même assez génial. C'est cuit. Hop. Hop. Ah, cette fois il a fait un bruit. Qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant de ce burger? Est-ce que je lui jette dessus? Ah. Ok, faut que je lui jette dans la bouche. Là, mon steak il va être cramé, normal. Ah putain, il y en a un de l'autre côté du mur, sérieux quoi. Ils sont partout! Vite, salade, oignon, pickles, tomates. Ah putain! Re-salade, re-tomate, c'est pas cuit. Non, il y a une ombre, mais encore assez loin. Bon, il se rapproche trop. Faut que je le fasse péter, lui aussi. Lui aussi, tant qu'on y est, c'est cuit. Du pain. Ah putain! Chope-moi ça, toi. Putain, ils sont pleins. Mange. Regarde les gros panneaux jaunes avec écrit notice en gros. Bah ouais, mais c'est ce qu'on a regardé, mais ça te dit ne pas le nourrir parce qu'il pourrait se passer des trucs douteux. Donc bah là, du coup, on est un peu en train de faire ce qu'il faut pas, mais. Putain, mais il me bloque mon truc quoi. Après, on peut peut-être éteindre la lumière? Non, on peut pas éteindre la lumière. Putain, mais il y en a de plus en plus. Ils sont partout, Tatis, exactement. Vite. Putain, mais prends-les quoi. C'est pas le moment de faire bugger le jeu. Ah, il me faut un steak. Explose toi, mais loin de moi. Putain, ce qui explose de l'autre côté du mur, c'est abusé par contre. J'ai pas mis de pickles. J'ai pas mis de deuxième salade. C'est pas cuit. Faire un petit tour pour déclencher les explosions. Aïe, raté. Ah putain, celui qui me coince le chemin.
un petit peu de vie. Mon steak doit être cuit. Oh là là, mais il y en a des dizaines quoi. Allez, hop. Elle va me jeter un truc. On esquive. Oh là là. Oh putain. Partout. C'est fini les amis, il a explosé. Oh. Putain. C'est tellement gratuit quoi. Oh la vache. On appelle avoir un petit creux exactement. Oh. Je suis pas sûr que ça passera sur Twitch, non. Ok, donc là on a quelqu'un qui éventuellement voudrait se venger. J'ai trouvé une recette. Un truc à collectionner, un truc à collectionner, très bien. Ça valait le coup de manquer de crever. Putain, totalement gratuit quoi. Bon bah, le speech étant qu'on doit essayer de découvrir petit à petit des secrets du monde, hein. Comme ça au moins, c'est fait. Écoute, pour l'instant en tout cas, je me suis pas fait strike totalement, donc bon, on verra une fois que ce sera sur YouTube, mais... Ouais, on a plus beaucoup de santé, va falloir qu'on dorme et qu'on bouge, je pense. Mais on a trouvé une recette, hein, peut-être pouvoir la cuisiner du coup, et se soigner. Toujours le même couple qui marche. Les secrets risquent d'être gratinés. Oui, ouais, gratinés je pense. C'est le mot. Toute référence envers la nourriture sera le bienvenu. Tu commences à manquer de santé ou d'énergie, pense à prendre une douche et une source de soins gratuits. Ah bah voilà, ça c'est une info intéressante. Allons prendre une douche. Est-ce qu'on peut discuter avec lui? On peut pas lui faire de câlin? Si je fais ça fait pas de câlin? Non. Bon. Il est complètement à la rue. Hein. Two rooms. Don't open. Sleep in. Don't sleep et don't open. Sleep inside. Ouais, ok. Bon. Hey, y'a quelqu'un! Ce placard parle! Quel placard? Ah, il y en a un nouveau. Sérieusement. Hey, you aren't E7. Who are you? What the fuck? What? Cow got your tongue? Why are you looking at me like that? Pourquoi je te regarde comme ça? I'm kind of just a talking head. Say, you don't know what's going on, do you? Oh, je vais vomir. Well, I'm an artificial intelligence cybernetic organism. Or a robot, if you will. E7 was a human like you. A friend. Haven't seen him in a while, though.
you woke me up. Now I'm gonna wake you up. Super, fais donc ça. All of this is fake. And E7 made recipes to try to break out. See those blueprints over there on the walls? It shows you the ingredients you will need. Throw all three of those ingredients into Obscura's fabricator and watch the magic happen right before your very eyes. D'accord, on peut utiliser le fabricateur pour créer de nouveaux objets. Très très bien. Obscura, opération. Alors il faut quoi? Rollopast, adhésive needed. FM transmetteur. Outgoing intercept, not press green button. Il faut réussir à faire un keypad hacker. Place on keypad, press green button, not prompt red, be quick. Excuse me. Oui, oui. You're standing on my foot. Ah. Pardon. Alors. Craft the keypod, explose les portes en métal, un bomb burger et sortir par la porte douteuse dans le muséum. Wouah, la vache. Bon, prenons une douche. C'est du Jean-Michel à peu près. Oui, à peu près. Parfait, une petite douche. Bon, on a des trous dans le mur. Même les dessins animés, ils sont infects, quoi. Oh. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, les mecs, ils se tapent des délires, même dans les séries à la télé, quoi. Il s'est fait bouffer. Ah non. La souris ninja a tué le méchant dragon. Sérieux quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je peux sortir par là? Ah merde, il se passe quoi? You ever wonder what's in the boss's office? Just sitting there, locked behind the key card? Si seulement tu avais un pirateur de cartes magnétiques en ta possession. Alors du coup, est-ce que je pourrais éventuellement acheter des trucs qui me manquent? J'ai pas trouvé le musée encore. Je vais essayer de partir faire visiter dans l'autre sens. Il ne manque plus que le hamster dance. Bah tu vois, j'avais fait quelques burial ground. Ok, ça c'est le truc de cimetière. J'avais regardé les trailers et tout un peu, hein, ce quoi, je m'étais un petit peu renseigné quand même. J'avoue que là, je m'attendais pas à ce que ça parte autant en sucette quoi. Construction area keep out. Ok, donc pour l'instant on peut pas aller dans le musée visiblement. Est-ce qu'on peut quand même trouver un endroit où acheter ça? Ah, c'est ouvert ici, on dirait. Temple du jazz. Triple J extra fort. Waouh. Ok, bon, pourquoi pas. Donc ça en fait c'est des robots dans le truc quoi.
sont juste là pour faire de l'ambiance, mais on voit bien que c'est tous les mêmes et ils ont des yeux en plus un peu zarbes. Nice, on a une pile. Bah ouais, ils te regardent tout le temps, ils te suivent des yeux là, c'est assez horrible. Bon, bah du coup, on a trouvé une pile. Ça c'est cool. Je sais absolument plus c'est quoi les autres trucs qu'il fallait. Un FM transmetteur et un truc de colle, non ? Ok, on est là. On va garder notre pile, hein, bien sûr. Précieusement même. Un truc de banque. On peut pas l'ouvrir ? Non. Bah non, une ambulance avec des dollars sur la porte. Ça me paraît douteux quand même. Dog poo. Donc le truc de course, on s'en fout. Je peux pas prendre ça. Là il y a une pile. Un transmetteur. Ou une télécommande. Ah, peut-être que je peux faire des trucs avec la télécommande. On va rentrer. Je peux embarquer ces trucs là? Visiblement oui. Tirons-nous avec. On va pas s'emmerder avec les détails comme le vol, hein. Après tout, c'est des robots en face, donc. Allez, petite foulée. Est-ce que vous pensez que Happy sera mécontente si je vole des cartons qui ont été volés ? Faire avec ses caisses, non. C'est assez difficile de savoir en fait. Le patron voit tout, mais il n'entend rien. Les micros ne fonctionnent pas. Ouais, je me demande en fait si. Ah, on a perdu nos objets. Ah non, on peut rotater avec la molette. Ouais, c'est bon à savoir. Alors, bon, je pense pas que ce soit le truc qu'il faut, ça, mais bon. On va se faufiler. Excuse me. Yes. You're standing on my foot. Ah oui, ouais, ouais, c'est bon. Donc, du coup, un FM transmetteur, ouais, c'est pas l'Obscura Programming, hein. Mais par contre, on a une batterie. Ok, reste là à voler. Look at me. Look at me. This is what Happy does. Échec. When my friend E7 woke me up for the first time, it was a little overwhelming. Et salut Flo, merci d'être passé. Bonne nuit à toi. Bon, va falloir qu'on trouve une autre batterie du coup. C'est ballot. Mais on va aller dormir avant. Ouais, ce que j'ai du mal à voir, c'est comment on sait. Est-ce que je pourrais retourner bosser, quoi. Je pense que non. C'est difficile d'avoir une vue d'ensemble quand on se retrouve derrière une pile de hamburgers. Merci, merci. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui ont bougé dans ma maison? Non, la télé qui tourne, on a toujours pas de chat. Ah, mais il y a des nouvelles cassettes là. Ah non, d'accord, c'est les. C'est les cassettes que j'ai déjà trouvées en fait, ok. Très bien. L'autre est toujours en mode je squatte le fond du couloir. Sers bien les clients ou Happy risque de très mal le prendre et crois-moi, tu n'as pas intérêt à la mettre en colère.
Allez, le chaubitier l'a dit, prends le bus. Je prends le bus. Il y a peut-être des choses à voir dans le bus. Bah non, le bus il nous téléporte jusqu'au truc. Je l'ai pris hier déjà. Enfin, j'ai pas fouillé tout le parking, mais... Je sais pas si tu as vu, mais tu as un collègue. Oui, j'avais vaguement remarqué. Ah, on pourrait charger les pièges. Nickel. Il a démissionné ? Quoi ? Tu n'auras que 40 secondes pour t'en occuper, mais c'est plus qu'assez pour quelqu'un comme toi. Ouais, non, il est toujours là. Il a peut-être démissionné, mais il n'est pas encore parti. Ça doit faire partie de garder le restaurant propre, s'occuper des trucs à rats. Enfin, j'imagine. Ok. Il y avait quoi par ici? Des toilettes. Oh, c'est moyennement propre. Sorry, out of order, ok. Bon, bah t'es toujours là, machin. To. T'as pas du tout démissionné. Allez, on pointe. On va ouvrir. Quoi? Le truc il était dedans, il est dehors là. Qu'est-ce que ça fait là ça? Et ça? Vous êtes sérieux, poubelle? Oh là là. Quel enfer! On ferme ici. On allume tout parce que ça met des plombes. Hop, on est parti. Alors, il nous faut des frites, des trucs comme ça. Hop, des cookies. Deux comme ça. Deux comme ça. Je crois qu'on peut en mettre que deux dans un four en plus. Voilà, on a un petit peu d'avance comme ça. Allez, on se fait encore une journée. Très très bien. Cookie, Fantastic Fall Sandwich. No onion, fry et hot pea. Ok. Il n'est pas allumé? Ah mais sérieux, ça s'est éteint. No onion. Et vous voulez des drinks, non? Hot pie, cookie... Un cookie et un hot pie, ok. Pif, pouf. Oh putain. Les fries elles doivent être cuites, faut juste que je les sorte. Ah putain! Cookie, hot pie, fries, no onion, c'est bon. Pff, c'est chaud. C'est chaud, franchement. Ah putain! Fry, pooping pork, sandwich, no tomato et deux shakes. Allez, c'est parti pour un pooping cork. Le truc qui vient là, quoi. Deux shakes. Allez. Un shake. Merde. Un deuxième.
On prépare. Elle voulait quoi déjà? Pas d'oignons, c'est ça? Non, pas de tomates. Hop, 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 hop. C'est cuit. Pourquoi il y a des petits bruits de rats là? Putain, sérieux, il y a des rats qui se baladent dans mon restaurant quoi. Un deuxième shake. Des frites. Hop, hop, et on est bon. Ah, c'est tout. Je me suis gouré deux fois, vous êtes sérieux? Fantastic Fall Sandwich, no pickle. Oh, putain. Comment ça je me suis gouré? L'interrupteur est coincé, dis la lampe torche. C'est les deux salades, je pense, qui foutent la merde, ouais. Je vois que ça. Fantastic Fall, no pickle. No pickle, putain, pas de pickle. Ne mets pas de pickle, sinon on est dans la merde. Jette-moi ce pickle. Il manque quoi? La tomate. Ah, mais putain! Il a mis le feu, ce con. Vas-y, j'ai réactivé les pièges à rats là. Pourquoi tu m'emmerdes? Vous voulez quoi déjà? Des soft drinks, je crois. Soft drink. Oui, bah je veux bien fabriquer le truc à côté de toi, mais. Ah putain, faut que je le reprenne. Vite, 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 vite. On peut pas se permettre un autre échec là. Bah je pense que ouais c'est ça du coup lutin, il fallait qu'une seule salade. Fry et salmon, ok ça va. Faut que j'en fasse cuire je sens. Deux minutes encore à tenir. Hein. Cookie, Fantastic Fall, Soft Drink, ok, un cookie. Est-ce que la lumière s'est réactivée? Non. Un Fantastic Fall, on a dit. Ah putain, il y a une saloperie qui court partout. Fantastic Fall avec quoi? No tomato. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait de la merde visiblement en tout cas. Bah oui, il faut que je trouve de la viande avariée pour lui faire un burger, mais encore faut-il trouver de la viande avariée. Oh là 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 là. Bah tu tombes bien Xebus parce que justement c'était un petit peu la merde. Il est où? Ah putain! Martyris la touche sauter pour t'enfuir. Ah! Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est là! Ah putain! Ah putain elle a disparu! Non! Non! Où est-ce qu'elle est? Putain, il y a des saloperies partout. Au secours! Elle est là, je l'ai vu. Il nous faut un fucking burger avarié. Don't look away. Ouais, super, je suis content de la prendre, mais ça ne m'aide pas. Bon bah, une seule salade dans les fucking burgers, hein, on s'en souviendra. Allez, dès que je vais la perdre des yeux, elle va me sauter dessus. Je trouve pas de viande avariée nulle part. Je vais aller voir s'il y en aurait pas dans le... Là, là. Il
Non, je te regarde, je te regarde. Ah putain, elle est là, il y en a plein là. Putain, je peux pas en prendre. Pourquoi je peux pas en prendre? Ok, j'ai pu en prendre. Là, je suis obligé de la perdre des yeux là. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Non, elle est pas là. Oh putain. Ah sérieux, faut allumer les appareils. Elle est là. Ah! J'ai plus de vie. Putain, j'ai plus de vie. Où est-ce qu'elle est? Putain, elle est où? Elle est là. Ah mais je peux pas préparer un burger sans la regarder là. Putain, elle est où? Saloperie! Oh là là, fer! Elle est là. Ok, j'ai pu prendre une feuille de salade. On n'est pas bien. Est-ce que je peux me servir de ce côté? Non, il va falloir que je fasse le tour forcément, putain. Il faut pas que je fasse cramer sa viande en plus. Est-ce que c'est cuit? J'en sais rien. Je tente. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ok, là c'est pas mal, je peux absolument pas le faire sans la perte des yeux. J'ai quoi dans la main? Un pickles. Ok, je peux prendre un oignon, je peux prendre une tomate. Non, j'ai trop d'objets dans ma possession, putain, elle est où? Elle est là. Je crois que j'ai mis une salade de trop, non? Merde, je crois que j'ai mis une salade de trop. Je sais absolument plus où j'en suis. Putain. D'accord, et on repart comme ça à la nique. Il est où le distributeur? Je peux pas manger ça? Ah merde, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai acheté une figurine, je suis hyper content. Je voulais acheter de quoi me faire reprendre de la vie. Bon bah tant pis, on va faire plus tard. Soft drink. Ça devrait aller comme commande. On va s'en tirer. Ah ouais, là, le lutin, là, le stress. Hein. Salut Aminou, salut Xebus, bienvenue sur le live. Désolé, j'étais un petit peu en stress. Comme vous voyez, je dois préparer des burgers, ou des commandes d'ailleurs de manière générale. Et si je me foire trois fois, la mascotte du restaurant est pas hyper jouasse. Et elle décide de nous buter jusqu'à ce que on ait réussi à lui fabriquer un burger à la viande avariée. En plus, il y a des rats partout. Ah merde, putain, il y a un truc qui cuit là. Alors, je sais pas ce que t'étais toi, mais casse-toi. Il y a plus de clients visiblement. Si, il y a un client qui arrive. Et donc, on est en fait visiblement dans une espèce de simulation. Oh, il est un peu immonde mon restaurant, ouais. Mais en même temps, bah je sais pas, j'ai réactivé les pièges à rats et tout, je sais pas ce que je peux faire de plus hein. Il y a des espèces de... Enfin voilà, on est dans une simulation un peu buggée on va dire. Salmon nugget, ok, deux salmon nuggets, ça il doit nous en rester. Ça commence à être la dèche mais... Et on a fini notre journée de travail en vie. Bon. Un resto comme on les aime, exactement. Alors visiblement, on a des sacs poubelles, mais est-ce que je peux en faire quelque chose? Et ça c'est quoi? Des trucs de livraison. Alors, obtain box from backdoor, place box on shelving, return to work. Super, mais... Faut que je le fasse aussi, putain, sérieux. Mais d'où il... Shelving, c'est ça? Go.
Je peux en prendre combien? 4. Efficace le mec. Et les poubelles par contre je sais pas du tout ce que je peux en foutre hein. Ouais l'étagère ouais. Excusez-moi je suis un peu en stress. Un article a été rayé de ta liste. Ok, ça c'est les objectifs bonus, les fameux qui nous donnent des... qui nous donnent de la thune en plus. Putain, il ressemble plus à rien notre resto par contre. Je sais pas si c'est bas... si s'il y a moyen qu'on puisse y faire quelque chose ou si c'est juste la saleté ou le fait que qu'il y a machine là, Happy qui soit devenue toute fofolle. D'accord, il y a des daily duties ici et on peut avoir des bonus. Visiblement, voilà, on va prendre tout ça. Ah non, on va en jeter un parce qu'on va prendre notre. Bah non, on va mettre dans une. Pif, 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 voilà. Hop, ça fait plus qu'un seul objet. Et comme ça, on peut prendre notre figurine en plus. Et on peut se tirer d'ici. Accessoirement. Ça je sais pas ce que c'est mais ça a l'air d'être lourd à porter. Il n'y a pas de bus pour repartir par contre. On peut venir en bus mais pas repartir en bus. Bon. Toi tu vois ça direct, t'y vas Xebus. Et bah écoute t'es bien courageux. Allez on va aller vendre notre figurine et notre recette. Je peux pas la manger. Non, je peux pas la manger. C'était bien de la merde cette soirée, on a bien chié. Donc le coup des deux salades, parce qu'il y a deux bocs de salade, c'était une idée de merde, hein, clairement. Machine, je peux t'acheter une batterie ou pas? Ah, là je peux acheter une batterie, d'accord, c'est un objet différent par jour. Ok, bon bah du coup il va falloir qu'on... on en acheter plusieurs tant qu'à faire. Ok, on se plante. J'ai malheureusement la seule femme de, à peu près potable de cette ville, c'est la vendeuse du truc, mais elle reste assise à fumer sa clope, donc on peut rien y faire. Donc je propose de ne pas retourner dans ce bâtiment, n'est-ce pas ? Avec notre vie toute pourrie, on a plus de vie, on a plus de santé, il nous faut une douche. Avec le petit gling gling de la vie, enfin qui est basse forcément. Je sais pas si je prends le chemin le plus court, bah écoute, je sais pas ce qu'il y aurait comme chemin le plus court. Pourquoi il y a des bruits? Et pas de bruit, ça n'existe pas les bruits. Je pense que c'est kiff kiff, hein. Le tunnel est là, la maison est là. Si je prenais dans l'autre sens, j'aurais en plus un petit bout de chemin en plus à faire par là. Non, il est juste au bout de la rue. Hein. Il faudra trouver l'arrêt de bus pour repartir, je pense. Mais... bah ouais, j'ai vu que les rats ils ont déménagé pour s'installer chez Happy Zumble Burger Farm, hein. Pas de soucis, hein, ça j'avais vaguement remarqué. Bon, on va se prendre une petite douche et demain on emportera peut-être une petite barre énergétique pour les cas d'urgence. Hein. Hop, alors on va aller déposer nos batteries. Hop. Donc on a les batteries, il nous faut un FM transmetteur et un tube de colle. Donc on va se prendre une douche, je sais même pas comment on sauvegarde dans ce jeu. Est-ce que chez moi il y a des trucs flippants? Bah écoute ouais, il y a ça, qui nous parle, et qui a fait exploser le mur de notre placard. Voilà, est-ce que ça te paraît suffisamment flippant? Un robot en fait, hein, détourné par le précédent locataire des lieux, qui nous a appris qu'on était dans une simulation
pas très très sympathique. Et que le mec d'avant avait réussi à détourner ce four pour fabriquer une machine obscura, comme il appelle ça là, qui lui permet de fabriquer des objets qui nous permettraient éventuellement de nous enfuir. Notre première étape, c'est de fabriquer un kippa d'hacker en trouvant ces trois objets là et en les balançant dedans pour visiblement forcer la porte du patron du restaurant et dedans bah, y aura peut-être des trucs. Je sais pas trop quoi. Il y a des super dessins animés aussi. Les super amis de la ferme, on les reconnaît. Vous la reconnaissez, la vache qui nous a coursé là ou pas? Avec le méchant fermier. Ah, ils se sont tapés des délires là-dessus aussi. Hein. On peut pas dire le contraire, ils se sont tripés. Allez, on va faire une petite sieste. Hop. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Mettre pause. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas du tout comment on sauvegarde, donc on va espérer que ça sauvegarde quand je quitte. N'hésitez pas à dire au revoir à la VOD dans le chat si vous voulez. Ouais, elle a l'air mignonne la vache, hein. C'est pas la même qui nous a coursé. Hein. Tu sens qu'elle est un petit peu plus gentille, quoi. Pas notre énergie au minimum. Non, ok, ça remonte. Très bien. Allez, ciao tout le monde.